Les amis, je vous offre un display flamme obsidienne français scellé de 36 boosters. Il suffit de laisser un pouce bleu, absolument vous abonner et écrivez en commentaire votre starter préféré entre Tortank, Florizarre et Dracaufeu, mesdames et messieurs. Résultat dans une semaine dans la prochaine vidéo YouTube. Les amis, aujourd'hui on va ouvrir 100 boosters flamme obsidienne, la toute nouvelle série de cartes Pokémon. Mais avant ça, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on fait un live 24 heures d'ouverture de 100 displays flamme obsidienne en direct sur l'application Vogt. Samedi 12 août à partir de 16h. Les amis, évidemment, vous avez 10€ offerts avec le code LAFARGE, avec le lien en description. Téléchargez VOGGT, c'est gratuit les amis, le live va se passer sur l'application. Les boosters seront à 1€ prix de départ. Donc grâce au code de réduction de 10€ que vous allez rentrer pendant votre inscription, vous aurez des boosters gratuits. Des milliers de personnes pourront avoir chacun leur booster gratuit. Et vous savez la bonne nouvelle mesdames et messieurs, c'est que ma société de gradation SGS offrira les gradations sur toutes les cartes Pokémon full art mesdames et messieurs, ça va être exceptionnel. Téléchargez tous Vogt. Mettez tous le code de réduction, je vous attends, les boosters seront à 1€ prix de départ, ça va être exceptionnel, c'est le grand event, samedi 12 août. Allez, ça c'est la petite display que je vous offre, je l'enlève, elle est juste là, et voici à quoi ressemble l'art set. On a du Dracaufeu, du Dracolos, du Vrombotor et du Tyranossif. Évidemment le but c'est d'avoir les 3 Dracaufeu dans cette vidéo, c'est parti les amis, let's go. Évidemment il y a des AR incroyables, il y a le Dracaufeu Gold. Et juste pour commencer, on va ouvrir un petit booster comme ça. Allez, Darumacho, Manzai, c'est super intéressant d'avoir Manzai, mesdames et messieurs, puisqu'il n'existait que très peu de cartes de Manzai, elle prenait énormément de valeur. Donc retour de Manzai, ça fait super plaisir. Allez, évidemment, je vais essayer de vous passer les codes à chaque fois. Mettez pause et on est parti. Donc évidemment, aussi une carte très rare dans cette série, c'est la carte Pokémon Noctalie qui ne tombe jamais. C'est une commune, peu commune, et l'avoir en river, c'est extrêmement rare. Allez, Minotaur, j'ai hâte de taper la première ultra juste pour vous montrer. Ortide, on a Fenard, les amis, le Fulguris, et c'est fini. Donc évidemment, ici, on a 3 displays mélangés de 36 boosters. On va se régaler. Je vais souvent faire des Lorenzo. Donc des Lorenzo, c'est BAM! C'est des trucs comme ça, d'accord. Et on va passer un super moment ensemble. Donc je connais très bien cette série les amis. Je stream tous les soirs à 19h sur Kick. Venez les amis, on ouvre des cartes Pokémon tous les soirs, venez sur Kick. Le lien est en description, c'est comme Twitch mais en vert. Regardez-moi ça. Trompignon, Charbonbin et Super Dauphin qui existe également en AR. Donc de temps en temps, je vais passer les boosters comme ça. Et de temps en temps, on va montrer toutes les illustrations. On est là pour passer un bon moment. Sachant qu'on va également ouvrir, du coup, 100 displays pendant un live 24h, les amis. Ça va être incroyable. Allez, Germéclat, Lame, Rocabo, Topico, Terra Cruel. Donc, les illustrations sont vraiment incroyables. J'ai eu le temps de découvrir la série sur Kick, hein, évidemment. Aflamanoir. Et la première Ultra, qui est un Roucarnage X. Donc, il existe une version Alt, une version Full Art, les amis. Et toutes ces pré-évolutions, les amis, sont disponibles en AR. C'est juste magnifique. Enfin, on va voir ça. Je pense qu'on va avoir de la chance. Vraiment, regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut avoir un premier gros hit? C'est le Melmetal que je n'avais pas. Le petit Melmetal que je n'avais pas, les amis. Le petit Melmetal. Le petit Melmetal X. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Je kiffe les méga ouvertures. Surtout sur des nouvelles séries comme ça, franchement. Ça rend super bien. On va se régaler. J'ai hâte d'avoir mes premiers Dracaufeu avec vous. Allez, Magneton. La série est incroyable. Les communes peu communes sont magnifiques. On a Argoust, Impact, Togetic, Crabominable, on enchaînera directement avec Roucool et Fulguris en holographique. Allez, c'est reparti, let's go. Alors évidemment, dites-moi votre carte préférée de la série. Moi, j'ai un énorme coup de cœur, évidemment, pour le Cisaiox en AR. Et j'adore le Pégaglaçon alternative et la Dracaufeu Gold. Je les trouve vraiment incroyables. Allez, Grand Bull, Sepiatros, Grouré, on a Ortiga, Arboliva et Togekiss. Donc j'ai déjà ouvert quelques displays. Les Dracaufeu apparemment sont super faciles à avoir les amis. Et franchement c'est du plaisir. Ces displays c'est de l'or en bas. C'est vraiment de la régalade avant 151 qui va arriver en français. Et d'ailleurs je vais vous offrir une tonne de 151 sur Vogt et sur Kick. Allez, le petit Reptincelle. Voilà mesdames et messieurs, la première alternative. J'en parlais juste avant. Le Roucarnage, ex-Full Art Secret Alternative. Magnifique, il est là. Voilà, ça on apprécie énormément. Et ça partira directement chez SGS, ma société de gradation. Et donc on a une à deux altes par display. On a généralement deux secrets par display. Donc là on va en avoir au moins 6, je l'espère. Ça, ça commence direct comme ça. Voilà, ça j'aime bien. Ça, ça régale. Back to back.
Ok, vous avez le magnifique Ante holographique, donc ça, ça a été un gros coup de cœur sur cette série. Et je vous dis, le but, c'est de trouver la Noctali en commune peu commune. La Mentali aussi, vous avez un Noctali Mentali qui n'apparaît en moyenne une fois par display. C'est insane, en vrai. Généralement, les displays sont bien garnis, franchement, on va se mettre bien. Allez, Togepi, Melancholux, Ortide, Archéomir qui est incroyable, Tombero, Excavar et Solarok. Voilà! Je l'ai jamais eu encore! La Noctali en reverse! La Noctali Reverse! Magnifique! 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 C'est un des top hits de la série, les gars, je rigole même pas! Je vous jure, c'est vrai! J'ai déjà ouvert au moins 4 ou 5 displays, je n'ai eu que 3 fois, même pas en reverse. Et là, c'est la première reverse, elle tombe dans la vidéo YouTube, c'est une des cartes les plus rares de la série! On se rend pas compte, mais la carte la plus rare de la série, c'est une peu commune reverse! Incroyable! Incroyable! Bah, manque plus que Mentali. Alors, si on fait la doublette, je mange mon chapeau. Hein. Là, vraiment, littéralement, je mange mon chapeau! Mais, je vous jure, c'est pas possible! C'est incroyable! Allez! J'aime bien faire comme ça, en vrai. J'aime bien ouvrir un petit peu à l'arrache, comme ça. J'aime bien le faire de temps en temps. Ah, c'est une régalade! C'est une régalade. Et les amis, profitez, c'est la dernière fois que vous voyez ce setup derrière moi, puisque je déménage aussi, pour ceux que ça intéresse, là. Allez, Ponchien, Germécla, Mustéflotte, Barbicha, Kangourex, Gourmelet. On n'a pas encore eu notre première AR, et on n'a pas encore eu de Dracaufeu. Normalement, ça devrait arriver. Mais pour l'instant, c'est une régalade. L'ouverture, là, la petite halt, la Noctali Reverse, c'est vraiment du top hit. C'est vraiment magnifique. Allez, on est Nanergio, Centre Commercial, Exagel, Togepi, donc le trio est magnifique. Le petit Manzai, le Scalpereur, Flagrant aussi qui est incroyable. Franchement, ils se sont régalés sur cette série Pokémon Company. Bravo, la série est top. Vrombi, Centre Commercial et Kaorin. Allez, on est reparti. Tac, on va se faire un Lorenzo. Entei, Holo Reverse, Brocélome. Mais à chaque fois, vous pouvez regarder, hein, le Noctali est très rare. Et je vais en faire grader, hein, des Noctali comme ça. C'est magnifique. Noctali, Mentali, incroyable. Allez, on est reparti. On se refait un petit booster comme ça. Allez. On commence à l'arsène, une énergie électrique. Allez, c'est reparti les amis, let's go. Alors, évidemment, n'hésitez pas à prendre les codes, régalez-vous. Et, oh bon, la petite énergie, ça dégage. Et on est reparti avec Melo. Sepia top. Terra cool. Franchement, les cartes sont magnifiques. Regardez-moi ce petit Malos. On se régale, Malamandre. Lugarok, Tynorm, Camerupt. Oh voilà, le petit Gourmelet en AR. Mais c'est notre première AR. Magnifique que je n'ai pas, le petit Gourmelet. Donc évidemment, il y aura du Malos, vous allez voir, c'est franchement magnifique. Le beau Gourmelet qui mange dans sa petite gamelle. Ça, c'est très très bien. Allez, on est reparti directement. Oh, mais encore le Noctali qui tombe en... Oh, la petite gold. Et je l'ai pas, celle-ci. Voilà, ça, on apprécie énormément. Donc, la Noctali, ça, je vous assure, les amis, sleevez-les. Sleevez-les, ce sont des cartes qui vont prendre de la valeur, vraiment. Ce Noctali, croyez-moi, je vous dis pas de bêtises. Et l'énergie feu gold... Et bah c'est parfait, je l'ai pas les amis. Il y a que 3 golds dans la série, je l'ai pas. C'est super, c'est, à chaque fois ces vidéos là ça me permet de compléter les séries, c'est juste génial. Et on est reparti directement avec les amis. Bam, Mentali. Bah, mais c'est pas possible. Mais vous allez croire vraiment que ça tombe facilement alors que vraiment il y en a une à 0 par display. Mettez-les de côté, vous pouvez quand même comme ça, elles ne tombent que très rarement. Ou alors soit dans les 5-6 displays que j'ai ouvert, j'ai pas eu de chance. Vraiment. Allez. J'adore ouvrir comme ça en vrai. Gros. Voilà! Là, elle est considérée comme la deuxième meilleure AR de la série. Le Fenard, mesdames et messieurs, qui est incroyable. À part moi, je le mettrai en égalité avec le Cisaiox. Elle est juste insane. Franchement, dites-moi votre avis sur ce Fenard. Mettez hashtag Fenard et mettez un petit commentaire. Prenez le temps de le faire. Vraiment, cette carte est juste insane. C'est de la régalade. C'est de la pure régalade. Allez, Germécla, Reptincelle en reverse et le Melmetal. Encore Melmetal, donc c'est normal qu'on va avoir des doubles chats, les amis, pardon, excusez-moi. Parce que bah, y a 3 displays qui sont mélangés, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez que j'ouvre aussi en éventail comme ça. Bonjour, moi je kiffe. J'adore ça à la fin. Oh, je ne l'ai pas non plus. J'en parlais hier avec les amis. Les petits Melo. Le petit Melo en AR qui est juste insane. Vraiment, ils se sont régalés. Pokémon Company s'est régalé dans cette série. C'est vraiment du miel, du chocolat. C'est incroyable. Ah, vraiment, on se régale. Ah, là, on est bien. Là, on est bien. Oh, oh! Oh, le Victini X! Alors, pareil, je n'ai pas toutes les ex de cette série, les amis. Hein, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas toutes les ex de cette série. On a un petit Victini X.
Et ne me dis pas que j'ai quasiment plus de protège-carte, c'est pas vrai, monsieur Lafarge. Allez, on est reparti, les amis. Là, pour l'instant, c'est la régalade. C'est un festival, mais j'ai hâte qu'on tape le drac au feu. J'ai hâte qu'on tape le drac au feu. Allez, Tritox, Darkrai, le petit code. On est reparti. Donc, le but, c'est de se régaler, de découvrir la série. Oh, le petit Pimito. Mais vraiment, les cartes sont incroyables. Regardez ça. C'est une très, très belle série, honnêtement. Oh, regardez-moi ce Draco. J'en parlais en live aussi sur Kick. C'est juste magnifique. Petit Draco, Mascadra, Kaorin, je me régale. Alors désolé pour la lumière qui change, les amis, c'est juste que le... Je sais pas pourquoi, mais le temps, la météo, on est dans Fortnite là, c'est incroyable. Frérot, il pleut, il fait du soleil, il pleut, il fait du soleil, il fait 50 degrés, il fait 3 degrés, et je comprends rien ce qui se passe à Paris là. Allez, Magnéti, Evoli, qui est vraiment juste insane. Le petit Malamande, Triopico, Kangourex, Trompignon, Scalpereur, et le Tyranocif, comme qui existe en grand, en full art, hein, tous les Terra Crystal sont en full art, comme le Dracofeu d'ailleurs. Le Tyranocif X, juste magnifique. Ils sont gavés. Allez, on a encore trop de belles cartes à voir. J'ai envie de tout découvrir avec vous, là. Golet. Meldali Reverse. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais voilà, je savais que vous allez... Les gars, vous allez croire. Vous allez croire que c'est trop facile de les avoir en Reverse, alors que pas du tout. C'est pas possible. Ah, l'ouverture est exceptionnelle. L'ouverture est exceptionnelle. Il manque plus qu'un petit, un ou deux Dracofeu. Et là, on est bien. Allez, Fenard, Tombéro, Lampereau, Tête en Poule et le Darkrai qui tombe dans tous les boosters Darkrai, littéralement. C'est la carte que j'ai le plus dans cette série. Hein. Honnêtement, j'ai pas vous mytho. Là, un petit Dracofeu, par contre, hein, on dirait pas non. Démolos, Colza, Magnézone, Magnéti, Brindibou et le petit Cisaiox en holo. On apprécie, mais j'ai hâte de vous montrer la AR, surtout qui est beaucoup plus belle. Allez, c'est parti. Le Mentali encore, mais c'est pas possible. Non mais vraiment, j'ai perdu toute crédibilité sur mon discours avec, avec Mentali hein, et Noctali. Ça me fume. Allez, dites-moi si vous appréciez que j'ouvre comme ça. J'aime bien le faire de temps en temps. Il y a quelque chose au bout. C'est le Dracofeu X que je n'avais jamais eu, les amis. Voilà, je l'avais jamais eu, celui-ci. Le Dracofeu X Terra Crystal, qui est limite plus... Bah, c'est limite la plus belle de toutes les... Mais, zéro van. C'est limite la plus belle des quatre. Elle est magnifique. Le premier Dracofeu, il est là. Ah, il est beau. Ah, franchement. Eh bah écoutez, je crois que le Terra Crystal normal est mon préféré. Je savais même pas qu'il existait. Donc, il y a quatre Dracofeu dans la série au total. Est-ce qu'on peut faire un back-to-back Dracofeu? Et non, Bombotor. Ça, alors, je sais pas ce qu'il fait là. Je pense qu'ils l'ont calé dans la meilleure série. Ils ont dit, ok, on sort 10 000 Dracofeu. Bombotor, on n'arrivera jamais à le mettre, on le met maintenant. Non mais littéralement c'est ça. Vraiment. Allez, Rocabo, Topico, Mentor. Bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Musteflot, Barbicha, Goupix, Grenousse, Cisaiox. Dites-moi si vous aussi, vous avez beaucoup de Noctali et de Mentali ou vraiment j'ai beaucoup de chance. Parce que vraiment, 5 displays les gars, j'avais quasiment rien eu. Regardez-moi ce beau Rookups, c'est juste insane. Magnifique Rookups, ce Draco. Allez, Triton, Scovilin, Kaorin et Énergie. Donc évidemment, je passe assez vite les boosters, on est là vraiment pour voir les ultras, voir les Dracofeu. Et en live, tous les soirs à 19h, évidemment, je prends plus de temps sur les cartes. Mais là, je peux vous en montrer de temps en temps, le petit Salamèche, le mini Draco. Hein. La série est très très belle, franchement. MDR. Voilà, encore la gold que je n'avais pas. Les gars, la seule gold que je n'avais, les seules gold que j'avais, c'était Dracofeu. Voilà, bah j'ai les 3 golds. J'ai 100% des golds de la série avec vous. Oh, c'est top. Oh, c'est génial. La vérité, je suis trop content, les gars. Et bah c'est bon, j'ai déjà complété toutes les golds de la série. En vrai, il y en a que 3, hein. Bon, on va pas s'oublier de lancer de médailles, hein, évidemment. Mais vraiment, topissime. Allez, Balbuto, Atisma. Et on est reparti. J'ai dû aller fermer le volet, les amis, parce que la lumière fait n'importe quoi. Et on commençait à plus voir les cartes. Et là, c'est... Oh, c'est 100 fois mieux la qualité, hein. On va pas se mytho. Allez, Flagroin, Altaria, non mais oui. Et le Tyranocif X Full Art Terra Crystal. Alors, je suis désolé pour la qualité juste avant. Je me rendais pas compte que le soleil vraiment empêchait. Donc là, vous, franchement, vous allez voir que la qualité est incroyable. Oh non, les gars, je suis désolé. C'est dire que les cartes étaient sombres depuis le début de la vidéo. Allez, c'est pas grave. Low class en Rebirth, c'est super dauphin. Vraiment magnifique. Même le petit Spunk, j'apprécie énormément. Allez, let's go. Je suis désolé, les amis. La lumière est 100 fois mieux, là. Allez, Reptincelle, Terracool, Darumaron et Coraidon X. Je savais même pas qu'il était dans la série. Pourquoi ils ont mis un Coraidon X? Petit Coraidon X. Magnifique. Ah, je savais pas qu'il était dans la série, Coraidon X. Pourquoi ils ont remis ça? Pas compris, franchement. Oh, Salamèche. Le petit Salamèche. Allez,
Polagriff, Sbire et Togekiss, hein, vraiment la triplette est incroyable. Et let's go mesdames et messieurs. Allez, j'ai envie de vous montrer vraiment au moins un Dracaufeu full art. Il y en a quasiment un par display. Normalement, en 3 displays, on est censé les avoir. Allez. D'ailleurs, ça, c'est mon booster préféré avec le Dracaufeu. Incroyable. Par contre, Dracolos, ça manque de Dracolos dans la série. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre hashtag Dracolos. Honnêtement, je trouve que ça manque de Dracolos à Pyrène. Incroyable. La Pyrène Terra Crystal full art qui tombe instantanément juste derrière le Tyranocif. Donc normalement on a une Terra Crystal Full Art par display, donc il nous en manque encore une là. Magnifique. Donc on a eu Tyranocif et Apyrène. Il nous reste encore un essai. Allez, j'espère, hein. j'espère. Scalpion, hop. Et cette série elle est insane en vrai. Il manque juste, j'ai l'impression qu'il manque juste quelques cartes. Genre il manque des Dracolos, il manque un Tyranocif Alt et tout. Parce que honnêtement il y a vraiment pas beaucoup de cartes dans la série en termes de secrets etc quoi. Allez, allez. Allez, on a un petit Archéomir X. Très sympa, les petites X aussi. Hein. Regardez avec sa petite flèche, là. Allez, on continue. Let's go. Et... Allez. Ah, dommage. En tout cas, j'espère que vous kiffez l'ouverture comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Et je kiffe. On voit un petit peu le suspense. Ça tease un peu la suite. Voilà. Oh là là. Alors, c'est pareil. Hein. C'est des cartes que j'ai pas. J'ai pas 10 000 cartes. Hein. Absol X Full Art. Elle est magnifique. Bah, c'est officiellement ma full art préférée. Donc, parmi les full art normales, c'est ma full art préférée. Vraiment, j'en ai vu des cartes, mais alors ça, vraiment magnifique. Allez, Dryol, Salarsen et le petit code. Tac, tac, tac. Milofey, Entei, tac. Ok. Dolphin, Salarsen. On va passer vite les boosters comme ça. Hein. C'est bien comme ça les boosters où il n'y a rien, les amis, on passe. Honnêtement, franchement. Bon. Allez, tac, tac, tac. On vérifie si ça n'a pas un autre élémental. Le super Dolphin. Super Dauphine ou super Dauphin, je sais pas comment on dit. En air, mesdames et messieurs. Voilà, très spécial cette carte. On apprécie énormément. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Vraiment, franchement, cette série, c'est du bon miel, hein. Regardez-moi ce frison avec l'éclair derrière. Mon Crabominable, c'était pas obligatoire, par contre. Crabominable, c'était pas obligé de nous le mettre, le frérot. Vraiment, ils ont abusé. Ils ont abusé. Allez, Tarinor, Darumacho, Mastouf, Croaporal, Archéomir, Zigzaton et Alisma encore qui tombent en holo. Allez, un petit Dracaufeu full art ou pas? Ce qui est fou, c'est que j'en ai vraiment eu dans tous mes displays. Est-ce qu'on va en avoir un pour YouTube? Par contre, on a eu le Dracaufeu X et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, Barbicha, Hermur, Cisaiox. Pourquoi ils ont mis Vrombotor? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils ont mis Vrombotor? Ça, je sais pas. Allez, Croquis, Lugarok, Tarinorm, Limonde, Tilton et Super Dauphin. Allez, let's go. Et c'est parti. Allez, mets-moi une masterclass. La masterclass, non mais oui, Entei. Et le petit code. Allez, tac, tac. Oh, magnifique! Voilà, magnifique. Le Roucoups. Donc voilà, vous voyez le Roucoups. Donc le Roucou, on dit Roucou, d'accord. Le petit Roucou en AR. Et donc les trois s'assemblent. Hein. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment un lien. Donc vous avez Roucou, Roucou qui est marqué route 1, Roucou route 4 et Roucarnage route 18. Comme quoi l'aventure avance en même temps que notre Pokémon. C'est vraiment magnifique. J'espère qu'on va peut-être avoir le Roucou pour vous illustrer ça. Cette série est top. Et juste après on enchaîne avec 151. On se met extrêmement bien. Allez, Arac de Mystère de Kaorin, c'est reparti. Allez, allez, régale-moi, régale-moi, régale-moi. Le petit Démolos X. Pareil, je ne connaissais pas cette carte. Oh, elle est très belle. Magnifique. Allez, continuons. Évolient Reverse, topissime. Scalpion et Togekiss. Regardez, hein. Il n'y a plus de Noctali, il n'y a plus de Mentali. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé en début de cette vidéo, mais vraiment, insane. Allez, Altaria, Démolos. Siège, Colza et Super Dauphin. J'aime bien quand ça s'enchaîne bien comme ça là. Ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Oh, ça j'aime bien. Allez, Pepper Limon. Noctali qui tombe, mais comme par hasard quand j'en parle. Ok, Terracool, Archéomir, Salarsen. Et tac tac tac. Allez. Ortiga, Altaria, Ampibidou. Un Scovilin. Petit Scovilin. Ouais, faut apprécier le petit Scovilin. Donc là les amis, on est quasiment à 2/3 de la d'ouverture. Sincèrement, j'espère avoir 2-3 cartes encore. Sur tous les alts. Et voilà, je ne l'ai pas non plus. Je ne l'ai pas non plus, mesdames et messieurs. Poppy Alternative Full Art.
cartes. Alors je sais pas si c'est les cartes que vous voulez bien avoir pour les vidéos YouTube, mais moi c'est les cartes que clairement j'ai pas. Vous voyez? Alors quand je disais qu'il y avait limite un drac au feu par display, je continue de dire qu'il y a limite un drac au feu par display. Franchement, là ce serait vraiment une grande première de pas avoir un drac au feu. Bon, on a quand même eu drac au feu X, mais honnêtement il y avait littéralement des drac au feu full art dans quasiment tous les displays. Hein. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je fais un live 24h, les amis. On va ouvrir pendant 24 heures des cartes Pokémon, je l'ai même pas, ça, incroyable. Le BK Glaçon, Extra Crystal. On va ouvrir des cartes Pokémon pendant 24 heures de Flamme Obsidienne. Les boosters seront à 1€ pour vous, les amis. Prix de départ. Avec mon code de réduction, vous aurez tous un booster gratuit. D'accord? Vous aurez tous un booster gratuit. L'application est gratuite, les amis. Franchement, vraiment, téléchargez Voct. Ça va être génial. Franchement, on va se régaler. Vraiment. Il va y avoir plein de Dracofoot, Full Art. Je vais même les dédicacer. Ça va être cool. Franchement, j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça sur cette série. C'est la première fois que je fais un 24 heures sur Voct et sur une série, une seule série. Et vraiment, ça va être énorme. Ça va être un festival de Dracofeu. Vraiment. Normalement, on est censé en tomber. Hein. Je vais pas vous mytho, on va en tomber, hein, je pense. Or, vraiment, c'est la première fois que je ne trouve pas un Dracofeu. À chaque fois que j'ai ouvert un display, les gars, là, de cette série, j'ai eu un Dracofeu Full Art, un Dracofeu Gold ou un Dracofeu Alt. Or, comme ça serait le pur hasard que pour la vidéo YouTube... Ça tombe pas, mais c'est pas grave honnêtement. Moi j'aime bien les amis, c'est découvrir toutes les cartes avec vous. Voilà. 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 Voilà quand on parle du loup. Il est là. Le Dracofeu alternative secrète, mesdames et messieurs. Il est là. Il est là. Le Dracofeu alternative, donc les altes, c'est 2 étoiles dorées quand c'est une alternative secrète. D'accord. Il est là, voilà le plus rare de tous. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, mesdames et messieurs. Et j'en parlais juste avant. Ça va avec mon discours. Ça va être un festival. Ça, voilà le Dracofeu, il est là. Je vous le laisse dans le fond. Après les goûts et les couleurs, apparemment, il divise. Et directement back to back, le BK Glaçon alternative. Énormément apprécié dans cette série. Et on a déjà 3 altes et 2 secrètes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, on en a plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais quoi? Mais quoi? Mais attendez. Mais attendez, mais... Mais attendez, mais quoi? Attends, on n'avait pas un Rocarnage à l'époque, là? Il n'y avait pas une époque. Mais attendez, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a déjà 4 alternatives. 4 alternatives et 2 gold. Waouh. Mais c'est ma meilleure ouverture. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Les gars, je tape encore un Dracofeu. Oh, le Malos! Je tape encore un Dracofeu, je déchire mon t-shirt, mesdames et messieurs. Le Malos, c'est vraiment ma meilleure ouverture d'écarlate et violet 3. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et on a eu le Malos, du coup, regardez la petite alt. La petite AR, pardon. Vraiment, la série, c'est un très bon miel. Hein. C'est un très très bon miel, la série. C'est un très bon miel, honnêtement. Là je me régale, là je me régale là. Là ça me fait vibrer là. Là j'apprécie ce qui se passe. Là j'apprécie ce qui se passe, le Salamèche, le Jolifleur, Jolifleur et Togekiss. Là j'apprécie là, là j'apprécie. Là j'apprécie. Oh, oh là là, je l'ai pas non plus, le petit. Donc du coup c'est le Vrombi en AR là. Regardez-moi ces belles AR. Franchement Pokémon Company, leur meilleure création c'est les AR. Ça c'est vraiment les cartes les plus belles hein. Honnêtement, elles sont vraiment magnifiques. On sent qu'il y a un vrai travail sur les illustrations. Enfin, c'est vraiment, c'est top ici. Honnêtement, j'apprécie beaucoup. Allez, Ragdo, tac, tac, tac. Oh, là, on est bien. Là, on est bien. Ah, je suis content, j'ai au moins un Dracofeu. Un Dracofeu alt. Et ça régale. Mais là, en fait, on s'est mis trop bien. La vidéo, elle est parfaite. Vraiment, ça régale. Alors, tac, tac. Allez. Oh, voilà. Oh, le Cisaiox en AR qui est extrêmement apprécié. Il est là. Et même ce petit Melodelphe X que je trouve vraiment très très mignon. Très très sympa. C'est une série incroyable. Vraiment. Je le répète, hein, mais vraiment, ça va être quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi les ETB ici. On fera une méga ouverture d'ETB aussi. Les ETB avec la petite carte promo Salamèche qui est incroyable. D'ailleurs, on va en ouvrir ce soir. Venez me voir en live. On en ouvre ce soir, les amis. Ok.
Allez, super Dolphin, tac tac tac. Pourquoi je dis Dolphin? C'est qui ça? Allez, tac tac tac. Bam, 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 bam. Poppy. Ah non, c'est une full art normale. C'est pas une alt ça. Non, c'est Poppy. C'est Poppy full art normale. Et on avait l'alternative. Donc là, on peut vraiment voir la différence entre une alt et une full art. Donc là, vous avez la full art normale et la alternative. Donc là, vous avez deux étoiles argentées. Quand c'est une alternative, vous avez deux étoiles en or. Et regardez là. Vous l'avez vu le Pachi Raja là? Est-ce que vous aviez vu le Pachi Raja? Pas sûr que vous l'aviez vu. Ben, je vais pas faire le mec. Moi, je l'avais pas vu en fait. Je suis juste le pire en fait. On est reparti direct. Let's go. Oh, si on pouvait, si je tape un drac au feu, les gars, je mange mon chapeau. Mon chapeau. Allez, Malos, Apitrini, regardez ce petit top picker. En Brillex, en choix, t'es Absol X. Oh là 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 là. Ça, c'est du bon poulet. La full art et la X. Ah, je crois que c'est devenu mon ex préféré de la série. Ah, je l'avais pas vu, elle est magnifique. C'est tellement beau. Oh, ils nous ont régalé. Hein. C'est pour ça que je fais des vidéos de 100 boosters, c'est pour vraiment découvrir un maximum de cartes et se faire un avis général. Et la Mentally Reverse qui tombe. Une Noctali Reverse, une Mentally Reverse en 3 displays. Hein. L'ouverture est parfaite. Il manquerait plus qu'un Dracaufeu et là, mesdames et messieurs, et là c'est du scrunch, miam miam, sans oui, 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 en pibidou. Mais c'est que des cartes que j'ai pas. Mais c'est pas possible. Regardez-moi ce petit en pibidou qui est parfaitement bien illustré avec son petit vent qui fait de la lumière dans une espèce de grotte là. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas, je kiffe trop. C'est trop pour moi. C'est trop pour mon petit cœur. Toxizap, super dauphin. Allez, on arrive à la fin de l'ouverture, les amis. On peut plus avoir de secrètes. On a eu 6 secrètes, là, c'est pas possible. Il y a plus de secrètes, là. S'il y a encore une secrète, c'est pas possible. On a eu 6 secrètes différentes. D'ailleurs, c'est incroyable. Vraiment magnifique. L'ouverture insane. J'avais pété un câble. On a encore une dresseur full art. Et je l'ai pas. Lame en full art. Magnifique aussi avec son petit micro et tout. Très sympa les full art. Ça commence à faire un petit bail. Hein. L'ouverture, ça commence à être un bail. Niveau X là, ça commence à être un bail, mesdames et messieurs. Allez, Sbire, Sucrène, Midrako et Entei. Entei qui est une de mes holos préférées de la série. Hein. Franchement, on en a vu très rarement des si beaux Entei hein, comme ça. Hein. Bah, l'un des derniers Entei que j'ai vu, c'est pendant ma vidéo d'ouverture des 100 Booster X et Wizard. Le Entei X de Team Aqua Magma. Allez, Darkrai, les amis, c'est pas fini. Je pense qu'il reste littéralement encore deux full art à avoir. Il reste encore deux full art à avoir, je pense. Vas-y, je rigole pas. Vraiment, je connais un peu les quotas. Normalement, on est censé encore avoir deux full art. Au moins une full art Terra Crystal, je pense. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Et je ne me trompe pas. Oh, carnage full art. Parfait, ça. Et donc, vous voyez, ce n'est pas la halte, puisqu'il y a deux étoiles argentées. Ah, il y a du poulet tout le temps, là. C'est magnifique. Magnifique petit poulet, là. Tac, 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 tac. Manzai en reverse, très bonne reverse. Allez, on continue, les amis. Soulagé qu'on ait eu un Dracaufeu au moins pour la vidéo. Franchement. En plus, c'est pas n'importe quoi, c'est le alternative. Mais on a des chances de revoir un petit Dracaufeu. J'ai eu des displays avec 3 Dracaufeu différents, hein, honnêtement. Bah, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, j'en ai mis en story. Ceux qui regardaient live sur Kick, franchement, on a déjà eu 3 Dracaufeu en une display. Hein. Bah, certes, ils tombent souvent, mais au moins tout le monde est content. Voilà, moi, pour moi, c'est la conclusion que j'ai sur cette série. C'est peut-être que c'est trop facile les hits. Voilà, c'est vrai, c'est peut-être un poil trop facile, mais au moins tout le monde est heureux. Tout le monde a ses Dracaufeu, Gold, Terra, Crystal, X, Alternative. Alors c'est pas si simple, là, il y a quand même 3 displays, on en a eu qu'un seul en 3 displays, attendez. Hein. Mais on prend, honnêtement, on prend. Allez, je pense qu'il reste encore quelque chose, hein. Je vous dis, je connais, je pense qu'il reste quelque chose. Allez, fais-moi dire des... Me contredis pas les boosters, s'il vous plaît, me contredis pas. Allez, s'il te plaît, me contredis pas. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà encore la full art. Et je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un Floreclat. Je pense que c'est... Ils ont calé des Pokémon en mettant que Dracaufeu pour que la pilule passe. Floreclat full art. C'est vraiment pas un coup de cœur. Hein. Ça, je vais pas vous mytho. Mais il l'a fallu, je pense, pour écarlater violet, tu vois. Eh ben écoutez, on prend, je ne l'ai pas. Et cette vidéo, j'ai vraiment complété mon set de 50%. Mais je vous jure, c'est vrai. Et je pense que... What? Grégo X, Terra Crystal, Emma la tête. Oh, ça me fume. Allez, c'est terminé, mesdames et messieurs. Il reste 2 boosters. Ah, je pensais qu'on aurait encore une Terra Crystal. Franchement, j'aurais cru qu'on allait encore avoir une Terra Crystal. Et ça se terminera comme ça. L'ouverture était exceptionnelle. Je me suis
régalé, les amis. Je me suis vraiment régalé. De A à Z, on finira sur ce dernier booster. Alors, si on a une terre à cristal, j'ai sur mon t-shirt. Si on a une foulard terre à cristal, j'ai sur mon t-shirt. En vrai, c'est impossible. Normalement, c'est pas possible. Là, on a eu trop de cartes. On a eu trop de cartes, là. On a eu beaucoup trop de cartes. On a eu 6 secrets. J'en veux plus. Allez, c'est terminé, Alice. Mesdames et messieurs, ça ne sera pas pour aujourd'hui le déchirage de t-shirt, mais c'était une grande masterclass. Je vous fais des bisous. Je vous dis à samedi prochain pour le live 24h sur Vogt. À ce soir.